Pona Basangoya Sika Nagi l'Afrique Télévision da Monsieur, bonjour, sali, bonsoir, ça dépend na kwenini ozo kangabiso na mokili tozana esengoya koya ko kabela bino basangoya makambo. Ezoleka en République démocratique du Congo, je suis Youssoufou Kibingila à David na ye de susu ko kabela bino makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na bito kya mboka na biso, voulais-je dire Kambote kiawe moyo pe na lobby matondo mingi na ba téléspectateur banso Bagel Afrique Télévision baye oyo baza awa mukolo ya lelo kolanda biso pour d'autres actualités oyo tuzume mena bino na mukolo oyo mwalelo mbote nange mbote na ba kongomani nyoso bake kolanda beto na ngonga ya ina diaspora tuzolo bela awa situation dans l'est de la République démocratique du Congo rete définitif ya Monisco lelo makambo ezo yo kamarakati ya mboka makambo ezo salema depuis plus de 25 ans baza sur les sols congolais lelo nini et salemi. Plusieurs Congolais oyo ya makambo balobaki, plusieurs Congolais oyo bazali na diaspora, plusieurs Congolais ba oyo baza notamment na kati ya mboka na biso na ba différentes provinces balobaki ho et fort eke esengeli mission wana ekende mission anani mission ya Nations Unies oyo ebengamaka Monisco eza sur le sol congolais depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Résultat na bango eza nini to kote la lisolo to kote la makambo to katande lupoto yeba lelo nini tozo lebela à l'est de la République démocratique du Congo. Désengagement de la Monisco au site Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka présidera la cérémonie officielle ce mardi 25 juin 2024 de la retraite ya Monisco au site Kivu la toza na Bukavu. La première ministre Judith Suminwa Tuluka eut entendu ce mardi 25 juin 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, pour son premier déplacement à l'intérieur du pays depuis l'investiture de son gouvernement par l'Assemblée nationale. Selon le cabinet de la première ministre, il sera question pour Judith Suminwa de présider la cérémonie officielle de fermeture du bureau de la Monisco en présence de Madame Bintou Keïta, chef de la Monisco, et d'autres personnalités des Nations Unies. Dans l'agenda de la première ministre, il est prévu qu'elle tienne un meeting populaire à la place de l'Indépendance. Là, nous sommes au site Kivu de la province du site Kivu. Voilà, nous sommes à Bukavu de la province du site Kivu. Histoire de communier avec la population de cette grande ville, la chef du gouvernement va aussi présider le conseil provincial de sécurité au bureau du gouverneur de la province du site Kivu. En outre, la première ministre va échanger avec le député provincial, la société civile ainsi que les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises au Congo nommée FEC en sigle. Détail de la cellule de communication de la première ministre Judith Suminwa. Rappelons que la fermeture officielle du bureau de la Monisco de la province du Sud Kivu fait suite au processus déclenché depuis le début de l'année relatif au désengagement de la mission dans cette province. Ce retrait a été décidé en décembre dernier au Conseil des Nations, au Conseil de l'ONU après de longues discussions avec le gouvernement congolais représenté à l'époque par Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie. Conformément à cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs bases de la Monisco ont déjà fermé. On peut citer notamment le base de Kamanyola, Bunyakiri, Osmasar, Baraka et Kavumu. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont les prochaines étapes. Déjà, Ndenge Bozoyoka, Likambo, Lizo Salima, à l'est de la République démocratique du Congo, Lelo, Lelo Tozolo Bela, retrait ya Monisco, Lelo Tozolo Bela, désengagement ya mission Oyo, ya Nations Unies, ya branche Oyo, ya Nations Unies, et Bengamaka Monisco, Oyeza sur les sols congolais depuis plus de 20 ans. Mission nini lelo oyo bakoza lesu na ngona kati ya mboka na biso après constat oyo ya population congolaise
Je rappelle ici que au cours il y a mandat na bango na kati ya mboka na biso. Au cours il y a exercice et fonction na bango na kati ya mboka na biso bien que bazana na ba province moko moko. Lelo bazo bima Sud-Kivu. Lelo bazo bima d'une manière officielle, c'est-à-dire aucune personne appartenant à Monisco a causé la signalé na Bukavu d'une manière oyo baza na engagement ya bango na RDC et causé la lissusu te. Ou madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka est entendue à Bukavu ce mardi 25 juin 2024. Déjà na tongo yo tozui ba correspondant na biso oyo bazalaka na Bukavu ba bisi biso ke déjà ki madame Bintou Keita ndenge bozomona na photo wana ndenge bozotana ba image télé eza radio té ndenge bozotana ba image wana ki madame Bintou Keita vient d'arriver déjà à Bukavu akomi na Bukavu azozela wana na Kavumu arrivé ba accueillir premier ministre oyo aza Judith Suminwa Tuluka. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est entendue ce mardi à Bukavu par son, pour son premier déplacement ndenge na lobi yango eza déplacement na ye ya yambo ya liboso ya kwekele oyo ezali akoti na kati ya mboka asali déplacement na ba province oyo et puis akopalpe ba vérité ye moko yango population congolaise ezalaki ko décrire sengeli madame Judith a mis déplacé madame Judith a kende boye madame Judith a kende sankuru madame Judith a kende o katanga a kende lomami a kende luozi a kende chopo a kende nord kivu a kende sud kivu ainsi ko belela oyo bana mboka bazalaki ko belele ke sengelaki abanda ba déplacement oyo ezaya yambo akei na province ya sud kivu ba autorité ebele ya a RDC bakuzala notamment kokuzala ba député provincial ba représentant songolo songolo et kozala gouverneur à province yepe akuzala na milieu wana batu ebele bakuzala wana notamment ba cadre na ba fonctionnaire ya Nations Unies ebele bakuzala wana pour participer notamment na événement oyo ekosalema lelo. Nini eza bilan na bango na kati ya province ya Sud Kivu avant de parler d'abord de la province du Nord Kivu to Monaki oyo troupe ya ba konteja ya ba chinois oyo bazalaki loué d'après Musala oyo bango basalaki ba donc ba konteja bazalaki ebele mais na ba konteja nyoso oyo ba pakistanais ba indien ya ki ba chinois baza ba oyo bazalaki loué donc c'est-à-dire oyo ba certifié ki Musala oyo basalaki c'est-à-dire ko asfalte baroute na misala songolo na cadre ya Monisco lelo bazo bima mboka na biso ndenge bana mai bazalaki ko luka yango ndenge bana mboka bazalaki ko luka yango ndenge bana mboka bazalaki ko demander que la Monisco devrait partir. Vous avez vu vous-même esa histoire oyo tozo beta esika awate vous avez vu vous-même boni ba manifestation ezalaki ba manifestation a grande envergure esalemaki ezala na Ituri ezala na Sud Kivu ezala na Nord Kivu bomonaki lors de ces manifestations boni batu bakufaki ebele beaucoup de personnes ont perdu leur vie suite ya ba manifestation oyo esalemaki ko senga Monisco ekende bape manakimia batu nyoso oyo bakufaki na kati ba manifestation oyo bazalaki ko lité ko demander que la Monisco devrait partir parce que d'après bango d'après d'après la population bazalaki ko senga Monisco ekende parce que bao sipsoné yango na makambo oyo mabe mazo salema na kati ya est ya République démocratique du Congo pas plus tard qu'il y a quelques mois ici même dans la cité de Sake avant que batu ba vide cité ya Sake bozaki komona ba video sur les réseaux sociaux wezaki ko décrire que esengeli ba Monisco bakinde na ba blender na bango bazaki ko bwaka mabanga bazaki ko barricader ba route pour que ces gens ne circulent même pas na kati ya mboka. Si on parle ici de la ville de Goma, na ba quartier lokola ba majengo ba yeyo ba fandi na kati ya mboka, ba maîtriser bien cartographie ya mboka wana, ba comprendre déjà que ba manifestation za ki ko salema mikolo nyoso pour que Monisco ekende. Voilà encore aujourd'hui sur l'étendue de la province du Sud Kivu, désormais la Monisco esi ekenda. Mituna eza ebele bato bazo mituna. Est-ce que ba konzi oyo ba sengaki ko kende ya Monisco
ekozalande ko benda kimia bisika oyo bazalaki waleza moko ya mituna ezo mituna aujourd'hui na pli para ba kongole eza pe constat ya ba kongole mosusu koloba eke majorite ya bisika oyo babima boboto pe kimia ezonga nango malembe malembe tozwa exemple typique ya territoire ya Walikale babima wana depuis kala mais so tozongeli lelo kimia ezonga depuis kala na kati ya territoire wana ba territoire eza ebele tokolobela bakalemi ba wapi banzela nyoso wana so kende nao na Lubumbashi banzela nyoso wana basi ba vida monisko za kali susu te eke ebele ya batu oyo bazali na bakwen kuna bazo signaler lelo eke la monisko depuis ekenda kimia ezonga. Voilà donc Batu Oyo Bazo Kendelelo, Madame Judith Esuminwa Touluka, Premier ministre Yemoko Akozala Wana Ako anticipé na cérémonie wana, elle va présider, Ako diriger Likambo Wana pour que Baibisa Bandeko Wana Babima sur le sol congolais. De la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri, qu'est-ce qu'il faut retenir? La MONUSCO est encore là. Monisko ezana nwana koza kutu kala mingi te ya pa plus tard que 72 heures awa bintu ke itatiki ko effectuer mission moko na kati ya province ya Nord Kivu notamment na ba base o eza dala dans les territoires ya Nyiragongo bintu ke te moko azala ki wana pour inspecter balier ata na biloko songolo et puis message dini oyo alobaki de l'autre côté. Nous sommes désengagés du site Kivu, mais nous avons encore un mandat à mettre en œuvre au Nord Kivu et à Ituri, a affirmé Mme Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, lors de sa visite sur les positions défensives tenues par les casques bleus à Kibati, à 10 km de Goma. Donc, Yangoana, Likambo, Lizou Salema, Nakati, la République démocratique du Congo. Boye baeke babimi na kati ya province ya Sud Kivu mais aujourd'hui bazana na mission oyo bazo sala c'est-à-dire après retrait na kati ya province ya Sud Kivu retrait ezo salema na kati ya province ya Nord Kivu donc ko entame processus et kozala juste après Sud Kivu et kozala Nord Kivu puis Ituri et dans l'est de la République tozala tozu to konté tozo konté boni Bazo Kende. Voilà donc ce que vous devez retenir à ce jour. Kalamingite, déjà on est en train de le parler. Vous allez aussi vivre tout ce qui se passe à l'est de la République, notamment Bitumba, notamment. Donc il y a beaucoup de choses. Oyo ezo osalema nakatia mboka nabiso oyo esengeli boyeba. Je ne saurais pas finir cette nouvelle. Ça vous en parle un peu de ce qui se passe. Mais même à l'extérieur du pays où vous aviez entendu que le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au Tchad, c'était hier, dans la soirée d'hier, où il a été d'ailleurs couronné, d'après tout ce qu'il est en train de faire, d'après ce qu'il a fait. Il faudra mettre guillemets entre cela, d'après ce qu'il a fait, la politique et au Tchad, transition et Salemaki, il a facilité, pour qu'il y ait une élection. Voilà donc, il a été honoré ba honora ki e likambo ezalaki munene fête ezalaki munene soirée ezalaki munene dîner ezalaki munene. Déjà plusieurs analystes congolais aujourd'hui estiment qu'il est important que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi applique les mêmes méthodes qu'il a appliquées là-bas au Tchad pour le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire aye kola aye ba bonia kosala pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays et que Kagame azala lisusu élément nuisible était comme le cas ezotalema dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre à ce jour sur Guel Afrique Télévision. Vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. N'oubliez pas de partager également la vidéo et cela nous fera du bien qu'à la prochaine on se rencontre pour d'autres actualités. Merci dames et messieurs. J'étais Youssouf Kibingila, David, je vous fixe un rendez-vous et on se revoit pour d'autres actualités.